Les 600 agences de voyage AFAT viennent d'annoncer leur fusion avec celle de Selectour. Ce nouveau réseau d'agences de voyage comptera 1170 points de vente en France, ce qui en fera le leader incontournable du marché. Ce regroupement comptera 4000 collaborateurs pour un volume d'affaires de 2,8 milliards d'euros. Une fusion nécessaire dans un secteur d'activité marqué par des rapprochements, comme l'explique Jean-Pierre Masse, le président d'AFAT Voyage. Pour deux raisons. La première, ce sont les investissements technologiques. Ces investissements sont extrêmement lourds, ne serait-ce que pour la présence sur le net. Il est nécessaire de les mutualiser. Si on les fait seuls, ils ne sont pas supportables. La seconde raison, ce sont les achats. Plus on est puissant, mieux on achète. Et mieux on achète, mieux on vend. C'est-à-dire qu'on sera en mesure, à partir de 2010, de donner de meilleurs prix à nos clients. Nos agences auront une meilleure compétitivité et nos clients auront de meilleurs prix et un meilleur service. Donc les consommateurs vont être gagnants. Les consommateurs sont gagnants, c'est un des objectifs de notre alliance. On ne connaît pas encore le nouveau nom de ce futur poids lourd. Seule certitude, le siège social se partagera entre Paris et Toulouse.